Yo tout le monde, je se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Un mode de vie DG avec les Hurricanes de la Caroline. Aujourd'hui, on va simuler un petit peu. Donc aujourd'hui, on est le 26 janvier. Et puis, le Canadien va encore le perdre contre les Blue Jackets 5 à 2, la pire équipe de la Ligue. On se fait battre 5 à 2. Donc, le Canadien, ça va vraiment mal. Et je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait sortir de cette léthargie-là, vraiment. Ça peut devenir inquiétant. Donc, pour l'image de pré-saison, 3 victoires, 4 défaites, c'est ce que je m'attendais. On va simuler jusqu'à Noël. Jusqu'ici. On va voir comment ça se déroule. Morale des joueurs. Morale des joueurs et on a Run NC. Il nous faudra un peu de 109. Ben, j'ai tant cherché du 109. Je dis ça de même, mais j'ai tant cherché. Fait que. S'il est pas content, moi je peux rien faire. Bon, 3 défaites pour partir la saison. Ok. 4 défaites. Oh, une victoire 1-0. Hey, hein, grosse victoire d'équipe. Hein. 1-0, les buts ont plu de partout. Bon, on va dire que c'est ça. Carl Theris, je ne fais pas d'intincelle en ce moment. Ça arrive à tout le monde d'être assis. De turbulence, j'allais rebondir, j'en suis sûr. 2 victoires de suite, 5 à 3. Défaite, 2-0. Défaite, 4 à 3. Donc là, on commence mal la saison. On commence très très mal cette saison. Aïe aïe aïe, 3 victoires, 8 défaites. En 4-8. On gagne un peu. À Dallas, une victoire. À Ottawa, une victoire. Rangers, une défaite. Victoire. Bon, ben, hein, 7 victoires, 10 défaites. Ah, hein, ça commence pas bien cette année. C'est qu'on dirait 3-1. Oh my god. Oh my god. Aïe, aïe, aïe. C'est pathétique. 9 victoires, 14 défaites. On va aller voir après qu'est-ce qui marche pas. On va aller voir. Parce que là, on peut pas continuer comme ça, là. Donc, on va simuler jusqu'au 22. Une défaite. Une autre défaite. Une victoire. Bon. Ah, et les Flyers. Une victoire. Yes, 4-1. Panthers. Une défaite, 3-1. Une autre défaite. Contre les Caps, dernière game. Une défaite. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Non, merde, c'est pas là, je l'enlève. Bon. On va aller voir les points. Je sais pas trop pourquoi j'étais voir les lignes. Je vais aller voir les points. On est dernier, bien évidemment. Meilleur pointeur, Victor Rask. 25 points en 14 matchs. Après on a Lindholm, 23. Turris, 23, fait que c'est pas trop pire. Verstig, 21. Forsberg, 20. Skinner, 15. Wozniewski, 15. Falk, 14. Donc c'est pas trop pire, Seth Jones.
3. C'est pas tant pire, sérieusement. C'est pas trop pire. Bon. On va peut-être aller faire un échange, hein? Non, attends, on va voir si j'ai acheté en libre. On a 15 millions de marge. Bon. Semin. Semin, il va peut-être nous aider. 2 ans. 1 an à 2.2. Sinon. Eric Cole. Je vais prendre Andrés Mesaroche. Pour 1 an. Puis on va essayer Eric Cole. Pour 1 an. Gould. Attends. Regardez s'il y a des joueurs qui fucking de potentiel. Genre. Def Top 4. On va le prendre. Je vais tout. Ah non, Nick Palmieri. On va le signer. Je vais tout. Puis les goalers, il y en a-tu? Des réservistes. Re-Emery. Donc on va voir. Jusqu'ici. Valier va accepter. Cole a refusé. Ah, ok, mon effectif est complet. Et merde. Bon, l'effectif est complet. Faut que je libère les contrats. Comment je fais ça, moi? Contrat. Non, sûrement, c'est ce que je veux pas, là. Run in si je vais le garder. Toi, m'a échangé. Contre Arizona. Un choix de 5e round. Arrête plus de 45 patineurs. On va leur donner tout nu qu'ils veulent donner. Chris Pronger, enchaîne donc. Ah, puis je vous rajoute un choix de première. Oh non, pas enchaîne donc. 5 millions en plus. 4 millions, Chris Pronger. Super. Fait cher. Chris Kelly, 3 millions. Joue 4e round. Buffalo a plus de 50 joueurs. Colique. Un choix de 7e tour. Columbus aura plus de 50 joueurs. Super. On peut pas en racheter des joueurs. Néo. Bien, bien. On va laisser faire. C'est jusqu'au prochain match. Similo jusqu'au prochain match. Merci. Ok, on est au prochain match. Donc, c'était le Québec. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.